Bonjour à vous amis curieux, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Aujourd'hui on va parler de street art. Le street art, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'art dans la rue, l'art de rue. Alors tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de déposer, de créer une œuvre dans la rue, dans l'espace public. Par exemple, ça peut être du pochoir, ça peut être des stickers, ça peut être des mosaïques. Il y a plein de choses qui peuvent porter cette dénomination. La seule limite, finalement, c'est votre imagination. Et à travers cette vidéo, on va voir quelques exemples de ce que peut être le street art. Et ça va peut-être aussi pouvoir vous donner quelques idées de création. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Maintenant, sans plus tarder, on va passer au premier exemple. Un exemple très simple, puisque tout le monde peut le faire. Vous récupérez un morceau de bois, un morceau de tôle, peu importe. Un morceau de matière première. Si besoin, vous faites les découpes nécessaires. Deuxième chose, vous récupérez toutes sortes de babioles qui traînent chez vous. C'est tout simplement tout un tas d'objets qui sont récupérés. Donc l'idée, ça va être de faire un collage de ces différents objets de récupération sur votre support. Maintenant, le projet numéro 2, l'idée, c'est de vous montrer ce que peut donner un collage de stickers. Et tout de suite, sans transition, projet suivant, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant avec ce casque que j'ai retrouvé dans un ravin. Donc, c'est de la récup, il est cassé. Alors bien sûr, la première chose avant de commencer l'opération, c'est de poser le champ opératoire. Et aussi, n'oubliez pas de mettre des gants avant de disséquer votre sujet pour ne pas vous mettre du sang partout. Et pour commencer l'opération sur notre sujet, on va partir sur une base de noir mat. Une fois cette première couche appliquée, laissez reposer le sujet un quart d'heure, qu'il puisse se remettre de ses émotions. Allez, c'est parti pour la suite. On va faire des petites traînées. Et voilà, le casque est à présent terminé. Et maintenant, nouveau projet, vous l'avez peut-être remarqué dans le décor, on va s'attaquer à ce cône orange. Et on va essayer d'en faire quelque chose de plus joyeux. Ça, encore une fois, c'est un cône que j'ai récupéré. On va essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus gai, parce que là, bon, vous le voyez, à son air, le cône a l'air un peu triste. On va essayer de l'égayer un peu. On va essayer d'égayer un peu sa vie, d'égayer un peu sa journée. Voilà, tout simplement, c'est important. Alors à présent, on est avec le cône, et vous allez me dire, oui, mais comment fait-on pour rendre ce cône souriant? Comment fait-on pour rendre ce cône joyeux? Eh bien, c'est très simple. Première chose à faire, il va falloir faire un dessin à la main, évidemment, avec votre plus joli marqueur. Évidemment, on n'a pas de marqueur ici. Vous allez prendre un marqueur, ou alors vous allez prendre votre plus joli craie. Il s'agit de le rendre heureux, c'est important. Donc voilà une idée de ce qu'on a envie de faire. Et maintenant, il va falloir passer à la découpe. La phase de découpe. Pour ce faire, première étape, vous allez mettre vos gants de sécurité. On ne le dira jamais assez, les gants c'est important, première chose. Deuxième étape, vous allez vous munir de votre cutter préféré. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre cutter? Vous allez rendre le cône heureux. Et donc après découpe, voici ce que ça donne. Je suis le plomb maudit. Non, c'était une blague. Moi, je suis le plomb joyeux. Joyeux, 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 joyeux. Et bonjour, je suis le plomb joyeux. Tu veux jouer avec moi? À présent, nouveau projet. Encore une fois, j'ai fait un peu de récupération. J'ai récupéré cette vieille basket. Cette vieille basket sportive qui a vécu de superbes aventures. Elle a eu une vie extraordinaire. Mais maintenant,
C'est l'heure pour elle de vivre une nouvelle aventure, d'aller vers de nouveaux horizons, voilà. Et donc, pour ce projet, je pensais en faire un pot à fleurs, avec pourquoi pas l'idée de planter quelque chose qui puisse rapporter des fruits. Voilà, ça serait intéressant. Allez, c'est parti. Et voilà, après avoir rempli de terre cette magnifique chaussure, j'ai décidé d'y planter une bouture de fraisier, parce que les fraises, c'est délicieux. Et maintenant, il ne reste plus qu'à lui trouver un endroit idéal. Projet suivant, pour une fois, on va pas partir sur un objet de récupération, on va partir sur une création originale. On va créer un objet de A à Z et de Z à A. Alors pour cela, on va avoir besoin de plâtre en poudre, très intéressant. Attention, ce plâtre-là, il faut pas le sniffer. Non, c'est pas bon. Hein. C'est uniquement pour les créations. Ne sniffez pas le plâtre, c'est dangereux. Attention à la maison, à ne pas reproduire. Et ensuite, bien sûr, vous allez avoir besoin d'eau. Évidemment, l'eau de source, c'est meilleur hein, parce que ça coule de source. Bon, c'est plus pur. Et puis évidemment, troisième objet, évidemment, ça va être un moule. Alors, soit vous le créez vous-même, soit vous prenez un moule tout fait. L'idéal, c'est bien sûr de créer votre propre moule. Allez, c'est parti. Et voilà, sans plus tarder, sans plus attendre, on va commencer tout de suite par la création originale. On va commencer par le moulage de notre objet. En l'occurrence, ici, on va mouler une tête de pirate. Vous allez avoir besoin d'un récipient. Important, le récipient. Première chose à faire, vous allez me lire cette notice pour éviter de faire des conneries. Vous allez mettre une dose d'eau. Voilà, une dose d'eau et une dose et demie de plâtre. Après, bien sûr, ça peut dépendre de votre plâtre aussi. Peut-être que les quantités sont plus ou moins variables. Vous allez prendre votre plus belle cuillère. Vous allez prendre votre dose et demie de plâtre. Bon, vous pouvez le faire à l'œil, hein. Ça marche tout aussi bien. Une fois ceci effectué, vous allez mélanger. Et je mélange. Vous mélangez. Bon, il faut quelque chose quand même de pas trop liquide. Hein. Évidemment, quand c'est trop liquide, c'est pas bon. Hein. Sans avoir non plus des grumeaux, évidemment. Hein. Oh, la chemise, elle est morte. Ne vous inquiétez pas, ça part en machine. Une fois que vous avez bien remué votre mélange, vous allez pouvoir le verser directement dans votre moule. Alors, vous allez la verser avec beaucoup de délicatesse. Et évidemment, c'est important, la délicatesse. Une fois cette opération effectuée, il va falloir attendre à peu près environ 1h30, le temps que ça sèche. Alors une fois le démoulage effectué, voici ce que ça donne. Maintenant, on va la mettre en peinture. Et voilà le résultat final de ce beau pirate. Et voilà, c'est à présent une fin de tournage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux.